reborn. Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur ce bon. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, j'ai vraiment beaucoup de choses à vous dire. J'ai vu un homme, une femme, commettre un péché. Et à cause de ce péché, l'homme a dû payer 500 000 francs à celui-là même qui l'a attrapé dans ce péché-là. De quel péché s'agit-il? Réfléchissez bien. C'est un truc de ouf. C'est un truc hors du commun. Un homme, il est entré dans la maison de son ami. Il a cru qu'il allait trouver son ami là-bas avec sa fiancée. Tchaké. C'était leur meilleur ami ou deux qui a pris la place de cet homme dans sa propre maison et qui décide de coucher avec sa femme sur son lit. Enfin, pas encore sa femme, mais sa fiancée, c'est-à-dire sa future femme. Alors que c'est la femme de son meilleur ami. Du coup, quand cet homme les a attrapés là-bas, cet homme était tellement dépassé qu'il avait du mal à y croire. Il s'est dit, mais c'est notre meilleur ami. Comment peux-tu venir coucher avec sa femme dans sa maison et sur son propre lit? Comment ça se fait? Vous voyez, la femme est-elle paniquée? Non, pardon, faut pas lui dire cela. Pardon, faut garder cela secret. Les deux sont traumatisés. Pendant que la femme parlait, le monsieur lui a fait un transfert de 500 000 francs sur son compte bancaire, juste pour fermer sa bouche, juste pour que il n'ait pas révélé cette réalité-là à leur meilleur ami. Et ce jeune homme qui a découvert cela et qui a reçu les 500 000 francs, lui aussi, il a fermé sa bouche. Toutefois, il venait de temps à autre dans la maison. Il trouvait ce meilleur ami en question là. Et puis, il ne lui disait rien. Mais comme rien n'est caché, c'est sorti. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la partie où l'homme qui était attrapé en train de coucher avec la femme à son meilleur ami de sa meilleure maison, de sa propre maison. La partie où cet homme-là, pour pouvoir corriger cela ou encore se tirer d'affaire, il a décidé de lui faire un transfert d'argent de 500 000 francs de son compte bancaire. C'est ça là qui m'intéresse. C'est ça qui m'intéresse le plus. Parce que je vous ai clairement dit ici que vous pouvez vraiment faire tous les péchés possibles, hein. Tous les péchés qui existent, vous pouvez vraiment pécher, vous pouvez vraiment faire beaucoup de péchés qui existent sur la terre. Mais le péché sexuel seulement là. Méfiez-vous de cela. Méfiez-vous du péché X. Parce que c'est l'un des seuls péchés dont la finition là, peut engendrer la mort. Ça peut engendrer la mort. Si vous vous attrapez dans une telle situation et qu'il n'y a rien eu, dites Dieu merci. Mais certains sont morts dans ça. C'est comme une femme, elle a rencontré un gars sur les réseaux sociaux. Elle a dit un gars, le deux vivent ensemble. Le gars a juste voyagé. Elle a même profité de cette belle opportunité pour demander à son gars qu'elle a croisé sur les réseaux sociaux là de venir chez elle à la maison. Et le gars, lui, il n'est pas au courant. Il s'est dit que voici une fille, elle est célibataire. Et il va vers la fille. Il la rencontre, tout va bien, tout se passe bien. Elle l'amène à la maison.
Et les deux se retrouvent sur le lit après. Et devinez la suite. Pendant que les deux se préparent à faire les choses. Non, non, ils ne se préparent pas. Ils pensent qu'ils étaient en train de faire les choses. Bon, pendant que les deux étaient en train de faire les choses, ou pire de calme, pendant que les deux étaient en train de faire les choses, voici que l'homme qu'elle croyait partir en voyage, il était de retour maintenant. Le monsieur est revenu. Et il voit les vêtements partout, partout dans la maison. Il se dit, mais ah, que se passe-t-il? Il rentre dans la chambre. Il trouve que sa femme, bien assise sur un autre homme, lui n'a pas regardé à gauche et à droite. Il n'avait pas cherché à communiquer sur l'information que j'ai reçue. On lui dit clairement, il a pris son pistolet. Pa, 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 pa. You, you, and you. Bam, 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 bam. Tiens. Il y a eu la mort dans ça. Il y a eu la mort dans ça. C'est pourquoi moi, je viens encore ce matin pour vous dire vraiment, vraiment, méfiez-vous de ce péché-là. Le péché qu'on appelle le péché X, le péché sexuel. Genre, un homme trompe sa femme, une femme trompe son homme. Même si vous êtes gars, sautez dedans, c'est mieux. Parce que le sexe, de la manière dont le sexe de la femme est caché entre ses deux jambes, quand elle ferme ses jambes comme ça, c'est fermé dedans, on ne peut pas voir là. On doit se faire dedans. Afin de voir là. C'est comme ça, hein. Si vous allez chercher ça pour voir ce qu'il y a dedans, hein, c'est comme ça que vous allez trouver le problème dedans. Si c'est mal utilisé. Oui. Oui. Le savez-vous? Et moi, je vais vous dire. Derrière le péché X, hein, ou encore le péché sexuel, derrière le péché sexuel, se trouvent plusieurs problèmes. On nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Ça veut dire que le problème le plus élevé là-dedans, c'est la mort déjà. La mort le plus élevé. Mais avant de trouver la mort, bon, on prie que la mort ne vous arrive pas. Pour moi, c'est le pire qu'on puisse souhaiter à quelqu'un. Mais avant de trouver la mort, il y a d'abord la honte. L'homme là, dont je veux vous raconter l'histoire, l'homme, la femme et l'homme, quand on les a attrapés, qu'est-ce que l'homme est obligé de faire? Il est obligé de payer 500 000 francs. En fait, c'est comme s'il voulait corrompre le gars. Moi, mais ça m'est déjà arrivé. Hein? Moi, quand on a, mais t'es arrivé un jour. Et il est obligé aussi de payer, de corrompre quelqu'un. Quand de telles choses arrivent, hein, même si vous êtes un vrai chrétien, même si vous êtes un vrai croyant, quand vous êtes dans le péché, vos forces diminuent d'une manière donc, que vous ne pouvez pas vous en rendre compte. C'est comme si toutes vos vies se trouvaient entre les mains de celui-là qui vous a attrapé. Et vous êtes prêt à tout pour que tout passe crème, quoi. Vous dites, mais qui vous envoie dans cette histoire, mais vous êtes déjà là. Oui. Donc, quand on vous attaque comme ça, vous devez, pour vous tirer d'affaire, pour vous faire sortir de la honte, vous allez devoir te payer. Certains payent. D'autres tuent le témoin. Et celui qui vous a vu en train de coucher avec la femme au-dessus là, certains préfèrent tuer le gars pour que le gars n'ait pas révélé le secret ou encore ce qu'il a vu. Ouais, c'est qu'il y a derrière. Mais il y a d'abord l'humiliation et il y a la honte. Vous pouvez recevoir beaucoup d'humiliation. Vous voyez une femme, elle peut être riche, elle va coucher avec un fou. Elle le faisait tout en cachette parce qu'elle voulait devenir riche. C'est ce que ces satanistes-là lui ont demandé. Maintenant, un jour, on l'a attrapé. On a dit, ah! On regarde bien son visage. On voit que c'est une haute personnalité du pays, une femme qui occupe un poste très élevé dans le gouvernement. On dit, tiens, toi, une femme comme ça qui occupe un poste très élevé dans le gouvernement, là. Donc, c'est ce que tu fais. Tu vas coucher avec le fou. Parce que tu es devenu riche. Hein? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le matin, quand vous la voyez, elle est habillée et vous la respectez. Vous dites que oh, j'aimerais être comme elle. Mais la nuit, là, elle s'habille comme une personne folle.
et elle va dans la rue, dans un endroit où elle peut trouver le fou. Et puis, voilà. Elle se joue la folle, quoi. Ou elle fait la folle. Vraiment, Satan, c'est un mauvais type. Faites tout, mes frères et sœurs, pour ne vraiment pas entrer dans ce qu'on appelle le péché X, le péché sexuel. Il y a la mort derrière. C'est ce qui explique bien ce qu'on dit. Qu'on dit, le salaire du péché, c'est la mort. Donc, le salaire du péché qui est égal à la mort, c'est en fait le péché sexuel. Le péché sexuel surtout. Quand quelqu'un va voler là, ou bien quand quelqu'un ment, est-ce que la personne peut mourir tout de suite parce qu'elle a menti? C'est pas, ça peut arriver, mais c'était plus rare. Mais quand une personne va faire le péché sexuel, par exemple, un homme va coucher avec une femme sans être marié, ça là, quand elle attrape une maladie, ça finit comment? D'ailleurs, on crée le sida. On dit les démons créent le sida, hein, pour que toutes les personnes qui ont touché à ce péché là, puissent mourir. Chap, chap, même. Les démons sont mauvais. Vous voyez ça? Le salaire du péché, c'est la mort. Le péché X. Vraiment. Ça m'a trop fatigué. Moi-même, ça m'est déjà arrivé. Je vais vous raconter un truc encore. Il y a un homme. Il a trouvé que sa femme le trompait. Il n'a rien dit. Elle le fait médicament sur elle. L'homme avec qui elle le trompe là. Il a fait en sorte que dès que le gars couche avec elle, les deux se collent comme aimants. Ils ne peuvent plus se séparer. Vous voyez un peu comme les chiens là, non? Quand les chiens finissent de faire les trucs, mais ils sont toujours collés là. Il a fait ça quoi? C'est aimant. C'est aimant. Le sexe de l'homme est dans le sexe de la femme. Et les deux sont collés comme ça. Il dit l'autre, oh, mais il faut quitter, il faut séparer. Oh, il faut quitter, il y a quoi qui se quoi ici? Ils sont obligés d'appeler le monsieur. Pour dire, monsieur, ah, monsieur, vous avez fait quoi, votre femme? Pour que les deux soient collés comme ça, ici à l'hôtel. Pardon, venez les séparer. Le monsieur arrive. Et il dit, il dit, pour que je les sépare là, il faut que je chiffre bien cet homme qui a couché avec elle, ou qui est collé à elle, et puis il faut que je pisse sur lui. On demande à l'homme, est-ce que tu es prêt pour accepter ça? Faut pas avoir dit oui. Là, il n'est pas mort. Mais qu'est-ce qui s'est passé à lui? L'humiliation. On les a attrapés, ils sont déjà dehors. J'ai même fait des vidéos là-dessus, ici sur la chaîne. Non? Puis je pense que j'ai fait encore une telle vidéo. Afin que les gens puissent comprendre quand même combien de fois il est dangereux d'avoir des rapports sexuels qui ne sont pas dans la légalité. Un homme qui va voir les parents d'une fille et ils disent à ses parents, je vais te épouser, je vais épouser votre fille, et il suit les procédures jusqu'au mariage, cet homme-là, il sauve sa vie, mais sans le savoir. Il sauve sa vie. Une femme qui refuse les avances d'un homme d'ailleurs, un homme même riche, plus riche que son homme, et qui décide vraiment de marcher sérieusement avec la personne qu'elle a choisi d'épouser, cette femme-là, si elle ne trompe pas son homme et qu'elle reste fidèle à son homme, elle sauve son âme. Elle sauve son âme. Parce que si elle se trompe, pour entrer dans de telles choses, tôt ou tard, ça va sortir, on sera au courant. C'est le problème de ça aussi. C'est que on n'a même pas une lampe pour la recouvrir. Il n'y a aucune chose faite dans le secret qui ne parviendra pas au grand jour. Même vous,
Si vous avez passé votre temps à tromper votre femme ou bien tromper votre homme, il est mieux que vous causez avec lui et que vous lui révélez cela et demandez, implorez son pardon. Parce qu'un jour, ça va sortir. Hein? C'est maintenant qu'il faut jouer la carte. Mais évitez vraiment tout ce qui est en rapport avec le péché X. Maintenant, qu'en est-il de la masturbation? Là, se masturbe matin, midi, soir. Pour ceux qui se masturbent, on nous dit clairement que ces gens-là couchent avec des démons. Parce que tu ressens le plaisir, là. Tu ressens le plaisir, non? Tu ressens le plaisir, non? Mais qui te donne le plaisir? On dit auto-satisfaction. Il n'y a pas d'auto-satisfaction, c'est les démons. Ce sont eux qui couchent avec toi. C'est-à-dire, quand même, tu t'es fait la chose, hein? Même si ils font la chose avec toi. Mon esprit. Pour que tu puisses vraiment verser l'eau là. Vous voyez, non? Pour que tu puisses verser l'eau, il faut que tu ressens quelque chose, il faut que quelque chose se passe dans ta tête, non? Elles sont calées dans ta tête même. Calées comme un calé kanga. Elles sont eux qui vont maintenant se charger de ramasser ce que tu as versé. C'est triste parce que moi-même, je fais ça jusqu'à. Dieu, pardon, faut me pardonner. Pardonne-moi, regarde-moi, Dieu, pardonne. Pardonne-moi, je peux me pécher, j'ai tout péché, Dieu. Pardonne-moi. T'es bon, Dieu, devant les autres, pardonne-moi. Je demande pardon. Mes frères et sœurs, demandez pardon à Dieu pour moi. Demandez pardon à Dieu tout de suite là pour moi. Hey! Qui n'a pas fait ça ici? Je regarde, vous voyez? Non, je me regarde moi-même. Je regarde. Qui n'a pas fait ça ici? Vraiment, quand je vois ça, je me dis vraiment, l'amour de Dieu est vraiment extraordinaire. Dieu a un grand cœur. Parce que si nous devons mourir comme ça, juste là comme ça, parce que nous devons faire un tel péché, il y aurait plein de morts sur la terre. Je vous assure. Si vous êtes passé par de tels péchés et que vous vous êtes sorti de là vivant, il est préférable de ne plus répondre cela. Si vous couchez avec la femme d'autrui, vraiment, tu sais qu'elle est mariée et tu vas coucher avec elle, tu as problème. Même si tu ne sais pas qu'elle est mariée, elle te manque qu'elle est célibataire, alors qu'elle a un homme dans sa vie, tu as problème. Dans les deux cas, tu as problème. Tu dois t'assurer d'abord qu'elle ne soit pas mariée. Et puis, pour savoir, mais puis avant de coucher avec elle, tu dois aller déjà voir ses parents. Si tu vas voir tes parents donnent l'accord et que vous allez vous marier, tout le monde sait que c'est toi qui es marié. Il y a qu'à la fin du deuxième homme qui avait dit que oh, c'est ma femme, c'est ceci. Normalement, non. C'est pourquoi il faut suivre la procédure. Avant de coucher avec une femme, il faut se marier. Si tu fais quelque chose en dehors de ça, si l'amour apparaît dedans, Dieu ne sera pas là pour t'aider. Même si le diable quitte le monde des ténèbres, quitte l'enfer pour venir jusqu'à là, hein, Dieu ne sera pas là pour te sauver. Parce que tu as ouvert la porte interdite. Et pour éviter de telles choses-là, il ne faut pas seulement prier, il faut aussi poser des actions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux prier en disant, oh Dieu, regarde, moi j'aime trop les femmes, pardon, aide-moi à sortir de cet effet de femme. Il ne faut pas accoucher à la femme d'autrui. Mais maintenant que tu pries comme ça, là, et que tu vois que la femme de quelqu'un essaie de te séduire, il faut lui dire ces quatre vérités, ou bien tu l'évites. Tu l'évites. Parce que c'est ton diable qui est là. Elle cherche à te mettre dans le problème. En tout cas, moi, il fallait que je vous parle de cela. Vraiment, faites très attention. Il ne faut pas aller payer l'argent à quelqu'un pour rien. Parce que tu as commis un péché X. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Abonnez-vous et restez connectés. C'est parti. Waouh, c'était extraordinaire. Merci les frères d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez soutenir ce bon papier, vraiment mon cœur, la description se trouve un lien. Vous pouvez cliquer là-dessus. Et télécharger une note où se trouvent toutes les informations bancaires. Que Dieu bénisse les frères et sœurs, prenez soin de vous et soyez prêts pour la prochaine. C'est parti.